Le Palais de Tokyo a invité pour sa quatrième carte blanche l'artiste Thomas Saraceno. La proposition ici s'appelle En Air. En Air, il s'agit de s'interroger sur cet gigantesque océan dans lequel nous sommes tous, nous existons tous, qui est l'air, et que nous partageons avec un nombre absolument infini d'autres espèces, d'autres phénomènes, humains et non humains, visibles et non visibles. Et l'ensemble du projet ici tend à donner de la voix à ceux qu'on regarde moins, à ce que notre attention n'est pas capable d'identifier, à ce que nos oreilles même ne peuvent pas entendre. Les araignées du Palais de Tokyo sont des membres à part entière de l'exposition. Il existe 450 araignées qui vivent en permanence au Palais de Tokyo. Et Thomas Saraceno et son équipe est venu en mai 2018 pour aller à la rencontre de ces araignées. Donc ce qui s'est passé, c'est depuis mai, nous avons arrêté de faire le ménage, nous avons arrêté complètement d'enlever les araignées des espaces et puis on les a vues réapparaître. Et l'idée en leur donnant cette attention, c'était de nous rappeler que nous vivons dans les mêmes habitats, que nous partageons les mêmes espaces et qu'il devient urgent pour l'homme de comprendre que le regard qu'il pose sur ces espèces, que la manière avec laquelle il les traite, c'est sa manière de regarder l'autre et d'envisager l'autre. Beaucoup des œuvres qui sont dans l'exposition nous incitent ou font de nos présences des éléments essentiels. Et il s'agit à chaque fois d'imaginer que l'œuvre n'est pas un objet à part, mais qu'au contraire, on peut le rencontrer et qu'il peut être transformé par notre présence. Et nous espérons qu'en retour, nous soyons également transformés par cette rencontre. Et en fait, l'ensemble de l'exposition est comme ça toujours en mouvement, notamment grâce au son qui est très présent, mais aussi grâce au mouvement d'œuvres animées, notamment derrière moi, les ballons qui vibrent en fonction de nos trajectoires dans cette salle. Une des dernières œuvres qu'on découvre dans l'exposition s'appelle Algorithme. La proposition, c'est de devenir araignée dans le sens où l'araignée vibre sur sa toile, elle envoie et elle reçoit des messages au monde grâce à ses fils. Et ici, le visiteur est invité à jouer, à se balader dans cet espace, dans un des plus grands instruments à cordes jamais inventés, et à devenir un être en harmonie avec les autres visiteurs qui jouent. Il s'agit de devenir un être interconnecté à beaucoup plus de phénomènes que ce qu'on peut voir, que ce qu'on peut ressentir.